السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم اليوم في لايف جديد، في ان جو جديد دايز جون جو اللي كنا نقرعو لا صافي لونطون تاع سوني. لا تنسوا خوتي دعمونا باللايك والبارطاج والكومنتار. Let's go. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une foule. Donne le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Je m'en occupe. Aidez-nous, elle est blessée! Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres! C'est un coup de couteau! Je peux plus prendre personne! Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester! Il n'y a plus aucun hôpital! Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires! Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là! Brian! Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux! Quoi? Vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout! Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Bowser, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on on est dans le grand d'une gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés Swiftinger Jack, à l'ouest. Non. Bowser s'en sortira pas si je pars avec vous. Les appels reviennent. Vous venez? Non.
Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Je suis, mec. Il est parti par là. Allez. Où est-ce qu'il va? Y a rien ici, par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté. À son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Hé, hey, hé, hey, attends, doucement. Doucement. Merde. Bon, ok. Alors. Attends, attends, là. C'est par là. Les traces sont fraîches. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. On pistait des bêtes sur des kilomètres. Mioup! À couvert! Que la merde à sa vie. Ça va, frangin? Ouais, ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Boozer. Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez, viens. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, attends, on s'énerve pas.
Où sont les médocs? Léon, si tu te mets à table, moi, au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps. Léon, je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? Ça se fait étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez, attendez! D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Je t'avais dit que... Merci. Ne laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré menteur! Doug voudra une preuve pour la prime. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en mutant. Même un enfoiré comme Léon. On a un hasard pour Noël. Hé, hey, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait de quoi me rafistoler. Ok. Reste à combiner les deux. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. C'est qu'on irait chasser cette nuit, rapporter quelques primes à Tucker. Pas s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. D'accord, que ça arrive. La vache, je manque d'exercice. Je vais voir si je peux prendre des pièces. Quoi? Le fils de pute. T'es arrivé d'essence ou tu t'es pissé dessus? Les pompes à carburant. Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en flure. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hé, la file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. Ouais. Pousse ! On va pas se cacher tout de suite. Trouve-le ! Vous allez vous mettre à chier !
Loopt-ie omhoog? Proche du vieux checkpoint du Nero. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils se sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné. Il t'a plutôt fini à 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Regardez, quelle bande d'abrutis tous attendissants. Ils ont dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la Horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. Sans ça? Oh putain! Ouais bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. C'était mon fusil. Ouais. Ok. Ok. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Au putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Tu n'es pas responsable de sa mort. Laisse tomber. Et monter dans l'hélico avec Sarah. Ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort aussi. Laisse tomber, je te dis. Sortez d'alarme. C'est bon, on a compris. Bon,
On passera pas par là. Hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. Ouais. Ah, là. بلشتوني Encore des mutants! كل الخير Corani. Oh, ouais, je le sens. Il te reste combien de Molotov? Tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en refaire? Ouais. Ok.
Ce sera pas lent. Ouais. Ça fera l'affaire. J'espère, hein. Réfléchis à ce que t'as dit, de partir vers le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Un matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça me plaît. Bienvenue à la foire aux monstres. De partout. Fais chier, on n'a pas assez de munitions. T'as une idée? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans le coffre! Saleté de tétard. Allez, fichez-moi le camp, saloperie. خلاص. أول ضحية.
Yep. ما صاك راضي وقادروك نسبب واحد منه السلام عليكم Nick, comment ça avance, frangin? T'es prêt? Pas encore. Faut que je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une bombe à carbure. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. هذه هضره شابه السلام عليكم
Mais j'ai jamais dit rien. Encore des détails. Fais chier. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Pas mal. Ott lábú már nem kis miskép. Ott lábú már kom. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. Boozer, t'es là ? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Nick ! Des Reapers ! Des Reapers ! Non, non, non ! Ah ! Ah ! Merde ! Chalot. Des Reapers. Boozer ! Boozman ! C'est pas vrai. Tiens bon, Boozman, j'arrive. Merde! Des Reapers. Boozer, où t'es, mec? Ah!
tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort. Les symboles des égarés. Lâchez-moi. Pas de fils de pute. Hé, Motard. Tu dois être déchu, Motard. Car tu es égaré et nous avons été trompés. Toi, mon frère, toi, on va te montrer. Toi, n'a pas été trouvé. Tu es égaré. Toi. Renonce. 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 Toi, mon frère. Il n'y a pas la meilleure rouille à trop. Merde. Il n'y a pas... Hé ! Par ici ! Bande d'enfoirés, lâchez-le ! Fils de pute, ça suffit ! Alors là... Bowser, oh, je vais te faire la peau jusqu'au dernier putain. Oh, c'est pas vrai. Et merde. Attends, je t'aide. Non, non, c'est bon. Arrête, fais pas pour vrai, allez, debout. Foiré de Ripper. Faut pas qu'on traîne. Aurélie. Ah, je m'attendais, je sais pas, putain. Ils sont tombés dessus, j'ai rien compris. Oh, ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Le regarde pas, je te dis, allez, monte! Ah, la vache! Attends-moi ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça n'a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Bowser. Ok, tiens. Voilà. Merci, Frangin. Je me sens à poil sans lui. S'aggraver. Fais chier. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. De ferraille.
Je vais pas prendre la moto de Boozer. Faut que je retrouve la mienne avant la tombée de la nuit. Bordel de merde. Boozer, t'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Hey, je viens de voir un type fureter près de la planque. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? J'avais raison. Les deux drifters qu'on a vus sur la même moto, ils se cachent un peu plus loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes. Ils ont une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute ces deux clowns et on s'installe de terre. Ah, tu sais qu'ils sont armés. L'un des deux a l'air salement amoché. Je dis qu'on peut se les faire. Ouais, allez vous faire foutre. Hey! C'est quoi? Merci du cadeau. J'ai vu quelqu'un. Merde.
presque à court. C'était le dernier. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Tiens, enfoiré. Approchez pas du mont Oléry. Hooser, j'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui voulaient nous piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Je t'en prends ça. Ok. Saloperie de mutant. Putain, il manquait plus que la pluie. Quand c'est pas les mutants, faut qu'il pleuve. Pourquoi ? Il faut toujours qu'il pleuve. Où est-ce que je suis ? Je dois plus être loin. Ça y est. À moi les primes. Faut que je retrouve ma moto. Je dois plus être loin. Quelle merde. Bouge, bouge. Cours. Oh.
Ok. Je me rapproche. Allez, ma belle, où t'es passée ? Voilà, j'y suis. C'est là que je l'ai laissée. On m'a pris ma mécane. Chez Copland. Hey, tu viens du camp de Copland? Putain, où est passée ma moto? Hey, arrête-toi, putain de merde! J'ai pas piqué ta moto, mec! Je vais pas te buter! Arrête-toi, putain de merde! Hey, je veux juste ma bécane! Ok, là, je vais... Loser, t'es là? Ouais, Dick. T'as trouvé ta moto? Bon, les hommes du Copland ont mis la main dessus. Je me dirige vers son camp. Terminé! John, c'est toi? Un fils de pute a piqué ma moto! Je suis pas au courant. Tu devrais parler à Mali. Ouais. Ok. C'est lui que je voulais voir. Je me pose des questions sur les mutants des fois. Genre, est-ce qu'il y a un secret de leur ou autre chose? Ah, ils sont des... Salut, Manny. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur, ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre, une fois. Le zen et l'art de la mécanique. Tu connais? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Manny, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans mec. Je te jure, elle a dû en voir de belles. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire? Ok. Comme celle-là, Manny. Ok. Quand j'ai dit à Brutti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière. Et... Dick, faut qu'on parle.
grabuge, on dirait. Je crois peut-être pas, mais... J'ai suivi une grosse attaque hier soir. Encore des Reapers. C'est la deuxième fois. T'es mieux préparé. Plusieurs étoiles, tout ça. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. C'est dépassé. Pas juste à cause des pillages qui ont commencé dans la nuit. Mais tout le reste. Les gens qui gardaient la tête. La direction de ce qui avait l'air un peu dangereux. Sans savoir que c'était eux le vrai danger. Ah. J'ai pu abattre une femme devant ses enfants. Je m'ai tué un type pour lui piquer ses courses. Tu veux quoi? T'es enfermé dans la voiture. J'ai fait que regarder. J'ai voulu les faire sortir pour voir s'ils allaient bien. Ils étaient tous infectés. Je peux t'aider? Tu parles d'un merdier. Je te dirais bien que je suis désolé. Parce que t'as traversé, ça aurait vraiment l'air stupide. Deacon. Bah alors, pas assez de crédit? J'habitais une petite ville. Sisters, pas loin de faire moi. Évite de me faire perdre mon temps, ok? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est à moi que tu parles. Ah, oh, salut. Hey. Ok. Une seule oreille. Tu vas nous ruiner, ma parole. Waouh. Une seule oreille. Bon. Ok. D'accord. Une oreille. Il n'y en a qu'une, hein. Ok. Ah, joli. Une seule oreille. Super. T'as pas chômé, toi. Pas envie de me prendre la tête. Ouais, je m'en passerai. Comme tu veux. Je peux faire autre chose pour toi? On a pour un moment avec ça. Ok. Ouais, ok. Mmh.
avec deux autres gars, on a incendié un nid il y a quelques semaines. Un nid dégénéré. Tu vois, il y en a une qui est sortie. Une beuglarde, je crois qu'on les appelle. Bah crois-moi, elles méritent bien leur nom. Elle a rameuté une bon dieu de horde sur nous. On s'est enfui en quatrième vitesse. Waouh, c'est dingue. C'est pour ça que j'ai pas bougé d'ici de l'année. Après une expérience, c'est tout sauf zen de réparer une bécane. Vous êtes en pénurie ? Pêche de la truite, mais... Une bonnette, elle n'est pas là. Une personne qui va réapprovisionner, elle n'ira pas. C'est comme pour tout. Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père. On construisait une cachette. On posait des pierres à sel. Et on faisait un vrai carton. L'hiver, on croulait sous la viande séchée. Je pensais que c'était pas légal d'appâter les cerfs. À l'époque. Mon père obéissait à une seule loi. La Constitution des États-Unis. Si vous voyez aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté. Tu l'as dit. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais ? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai ? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là ! D'après Tuck, il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute, tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto ? Que tes gars ont volé. Tu sais, celles qu'ils ont désossées. Récupérer, Dick. Récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa, ta casquette. Quoi ? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non ? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp ? Commence par me rendre service. Groupe. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux ? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire ? Non, ça l'est pas. Mais je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Personne nous prendra nos flingues maintenant, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, ok ? Dick ! Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais.
Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto? Je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Sérieux, je t'ai déjà... J'ai rien fait, moi. Manny, écoute... Salut, un petit instant. Mieux ? Putain, c'est pas une bécane, ça. Bowser, t'es là ? Ouais, Dick. Comment ça va ? Et ton bras ? Je l'ai dit, je survivrai. Ok. Bon, je vais quand même voir au checkpoint du Nero s'il y a des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. Ok, pas de problème. Je vais sortir pour vérifier qu'il n'y a personne dans le coin. Non, Bowser, non. J'ai brûlé au 3e degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord? J'arrive le plus vite possible. Je crois que... Je dirais pas non à un truc. Ouais, si tu m'étonnes. Je vais voir ce que je peux trouver, je vais essayer. C'est là, le checkpoint du Néon. Faut que je trouve de quoi soigner le bras de Bowser. Presque à court. Je t'ai eu. Ça y est. Et une autre prime. Ça va m'aider.
C'est là, le checkpoint du Néron. Faut que je trouve de quoi soigner le bras de Bowser. Et voilà. C'est bon. Voyons voir. C'est reparti. Générateur, il doit bien y avoir un générateur quelque part. Bingo, le voilà. T'as intérêt de marcher, t'as de ferraille. De l'essence. Ouais. Pas moyen. Bien besoin. Ça y est. Ouais.
Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. Stérile. Où est-ce qu'il a enlevé ces trucs?
et des centaines de personnes infectées sur l'autoroute à l'extérieur de Verwell. Pas moyen de les arrêter. Les checkpoints sont tous envahis. On se retire. Ok, j'arrive. Attendez. Pile ce que je cherchais. Il me reste plus qu'à ramener tout ça à Boozer. Tiens, salut, toi. Ah, c'est quoi ce truc? La technologie Néron? On dirait une espèce d'injecteur, peut-être. Ah, pourquoi pas? T'aurais dû te tirer avec tes potes. Bienvenue dans mon monde. Abruti. Ah! Je me sens déjà plus fort. Allez, c'est parti.